Voilà, à tous, nous présentons nos chaleureuses salutations. Donc aujourd'hui, nous avons décidé quand même de provoquer la continuité sur les courants littéraires, comme nous l'avions annoncé précédemment, bien entendu. Nous avions commencé par le 16e siècle, l'humanisme, le 17e, le siècle des Lumières, le classisme du moins, le 18e, le siècle des Lumières, qu'on avait bouclé, bien entendu. Nous sommes au 19e siècle, comme nous l'avions déclenché lors de la dernière vidéo. On avait clairement dit que pour rafraîchir un peu la mémoire, le 19e siècle semble être le siècle le plus prolifique en courant littéraire. Qu'est-ce qui explique cela? Pour la seule et simple raison, historiquement parlant, le 19e siècle a été marqué par d'immenses progrès scientifiques provoqués par la révolution industrielle. Et ces immenses progrès scientifiques et techniques provoqués par la révolution industrielle, bien entendu, ont failli faire disparaître la littérature. Maintenant, il était question pour ces auteurs du 19e siècle de se lever pour faire face à ce défi. C'est la raison pour laquelle on vous dit que le 19e siècle a été marqué par une modernité littéraire. Dans cette modernité, le romantisme se met en banque, suivi du réalisme, suivi du naturalisme, suivi du barance, fermé par le symbolisme. Alors, historiquement parlant, ce 19e siècle aussi a été marqué par une succession de régimes politiques. Il y avait des dictatures sans nom, avec Napoléon sous le Second Empire qui impose sa dictature. Toutes les libertés des Français ont été confisquées. La liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté d'expression. Il y avait aussi la monarchie de Joliet. Il y avait aussi un seul maître mot, lequel enrichissez-vous, c'est-à-dire l'intérêt ne doit pas être commun, mais l'intérêt doit être individuel. Tout régime qui est là, ou bien toute personne qui est là, doit remplir ses postes et partir. Nous avions aussi noté la naissance de la Deuxième République et celle de la Troisième République. Alors, tout ça, ça avait provoqué la France, ou bien la société française, dans un parfait désordre. Maintenant, les écrivains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour échapper à ce mal du siècle, c'est-à-dire ce que je viens de citer, dénommé la réalité douloureuse, ces écrivains ont préféré se réfugier derrière le roman supérieur. Alors, si je dis le roman supérieur, le roman intérieur du moins, si je dis le roman intérieur, je fais allusion au cœur, je fais allusion à l'imagination, je fais allusion au rêve. Sans doute, celui qui a de petits bagages en littérature, quand il entend le cœur, l'imagination, le rêve, forcément il pense au courant dénommé le romantisme. C'est la raison pour laquelle on vous dit qu'effectivement, à cause de cette réalité douloureuse, à cause de ce mal du siècle, à cause du refus derrière le moi intérieur, parmi les courants dont nous venons de citer, le romantisme a réussi à se mettre en balle en premier. Alors le romantisme est marqué par le grand Victor Hugo, dénommé comme chef de file de ce mouvement, bien entendu, le père de Léopoldine, l'homme des contemplations, l'homme des ondes et des balades, l'homme des châtiments, l'homme des rayons et des ombres, l'homme des misérables, etc. Nous avons aussi le grand Lamartine, l'auteur des méditations. Nous avons Alfred de Musset, l'auteur des Nuits de mai. Nous avons Alfred de Vigny, celui qui a écrit La mort du loup. Nous avons Gérald de Nerval, celui qui a écrit Fantaisie. Nous avons aussi René Chateaubriand, celui qui a écrit Les mémoires d'autre temps. Alors, est-ce qu'ils ont réussi? Ou bien, qu'est-ce que le romantisme réellement? Le romantisme est le triomphe de la sensibilité, de l'imagination et de l'exaltation du moi. Un poète est dit romantique lorsqu'il raconte sa propre vie, lorsqu'il revient sur sa propre histoire, lorsqu'il revisite son itinéraire, dans le but de le partager avec l'électorat par le biais de la première personne. Justement, si on dit la première personne, ce qu'il faut éviter. Il ne faut pas dire que la première personne du singulier, parce que le je, le me, le moi, ce sont des premières personnes du singulier, mais il y a le mais. Le mais, c'est la première personne du pluriel. Donc, on doit confirmer la première personne seulement. Pour confirmer cela, si nous prenons Demain des Loves de Victor Hugo pour revenir quand même sur la première personne, qu'est-ce qu'il dit? J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puisse demeurer, je viendrai, je marcherai, je mettrai. Ça, c'est la première personne. Cela veut dire que le poète devient lyrique, il raconte sa propre vie. Nous avons son compatriote que j'ai cité tout à l'heure, Alfred de Musset. J'ai perdu ma force, j'ai perdu ma gaieté, j'ai perdu ma fierté, j'ai perdu mes amis, j'ai connu la vérité, je l'ai senti, j'en étais déjà dégoûté. Alors là, forcément, le poète devient lyrique. Alors, c'est l'exaltation quand même du moi.
Mais dans ce lyrisme personnel, le poète qui raconte sa vie, comme j'ai dit tantôt, dans le but de la partager avec le cœur, comprenez-le, le poète est tantôt mélancolique, le poète est tantôt enthousiaste. C'est comme un être humain. Justement, qu'est-ce qu'on entend par la mélancolie? La mélancolie, c'est quand on tend vers la déception. Quelle déception? C'est-à-dire, le poète se décide d'avoir perdu un être cher, ou bien le poète peut vivre une déception amoureuse, ou bien le poète peut vivre une nostalgie. Alors, qu'est-ce que l'enthousiasme? L'enthousiasme, c'est quand on tend vers l'air. Autrement dit, le poète revient sur les délices de sa vie. Alors, pour éviter quand même de tomber dans l'erreur, comme certains le croient bien dans lui, ils croient que tout poète romantique met en valeur la déception. Non, il y a la déception et l'enthousiasme en quelque sorte. Alors, sur la déception, si vous prenez les contemplations quand même de Victor Hugo, il y a le livre numéro 4, intitulé Pocahontas. Dans ce livre, il y a l'un des poèmes les plus célèbres, si ce n'est le plus célèbre, bien entendu, de Médéloupe. Là, Hugo, quand il a perdu sa fille Léopoldine, qui s'est mariée à l'âge de 19 ans, qui était partie pour une visite de croisière avec son mari, Charles Vacquerie, dans le fleuve qui s'appelle le Seine. Alors, au cœur du fleuve, les dieux de la nature en avaient décidé autrement. Le tonnerre réagit, l'orage réagit, le nimbus réagit très rapidement. L'impensable se produit, le bateau vient de chavirer, Léopoldine vient de mourir avec son mari. Alors c'est pire que ça, Hugo a été informé 3 jours après dans un cafétéria par les biais d'un journal. C'est la raison pour laquelle il a écrit le poème dénommé « Oh, je fus comme fou ». Qu'est-ce qu'il lui dit ?« Oh, je fus comme fou » dans les premiers moments. Hélas, j'ai pleuré 3 jours, amèrement du moins. C'est ça qui explique le blasphème hugolien. Alors si souvent, qu'est-ce qu'on entend par le blasphème ? Le blasphème, c'est quand le poète remet en cause la volonté divine. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a écrit de Médéloupe 4 ans après la mort de Léopoldine, comme le pensent certains d'ailleurs, vous nagez dans l'erreur de la littérature, parce que certains croient que Hugo a écrit les contemplations après la mort de Léopoldine. Non, il a commencé à écrire les contemplations bien avant la mort de Léopoldine, la preuve. Les contemplations, il a commencé à les écrire en 1841, et Léopoldine a rendu l'âme en 1843. Alors, dans Demédéloupe, comment il a blasphémé après la mort de sa fille? Si vous prenez le deuxième vers, Demédéloupe, alors où blanchit la campagne, qu'est-ce qu'il nous dit? Je partirai, vois-tu? Alors, quand il dit vois-tu, là, c'est la deuxième personne qui nous adresse. Hugo est en train d'interpeller directement sa fille. Je sais que tu m'attends. Alors là aussi, il y a le tu. Il interpelle sa fille alors que Léopoldine est morte, ça fait 4 ans. Cela veut dire que le poète n'a pas accepté la volonté divine encore que ça. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne puisse demeurer loin de toi plus longtemps. Alors, il confirme qu'il n'a plus goût à la vie. Alors, je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers la fleur. Quand il dit je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, là, il fait allusion à la métaphore de l'or, même si on sait qu'il fait allusion au coucher du soleil. Alors, l'or est très valeureux. Mais là, quand il dit je ne vais pas regarder, ça veut dire que le poète n'a plus goût à la vie. Alors maintenant, il continue son blasphème. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne regarderai pas les voiles. Alors, lis ce qu'on appelle la fleur. Comprenez que les voiles, il fait allusion au bateau. Quand il dit à fleur pour votre information, c'est un port qui se trouve en France. Dans ce cas, Hugo veut nous faire comprendre, effectivement, il ne veut pas se rappeler la manière dont sa fille est morte. Parce que pour votre information, Léopoldine était morte noyée. Mais malgré le blasphème hugolien, comme un être humain normal, Hugo accepte son impuissance devant la volonté divine. Au niveau des deux derniers vers, qu'est-ce qu'il dit? Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe. Quand il dit, je mettrai sur ta tombe, cela veut dire que quand il dit tombe, ça veut dire qu'il accepte, il y a un mort, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'il va mettre au niveau de la tombe? Un bouquet de ouvert et une prière en fleurs. Donc, concernant le blasphème, malgré la remise en cause de la volonté divine, le poète, comme un être humain, comme j'ai dit tantôt, est obligé d'accepter son impuissance devant la volonté divine. Donc, ça, c'est le poète qui vit une déception d'avoir perdu un être cher. Comprenez que cet être cher a rendu là. J'ai parlé tout à l'heure d'une déception amoureuse. Ça, c'est l'affaire d'Alfred Musset dans les nuits de mai, lorsqu'il a été quitté par George Sand, au moment le plus inattendu. Il a profité de l'occasion pour mettre en valeur son chef-d'œuvre, les nuits de mai, duquel est tiré l'un des poèmes les plus célèbres, dénommé Tristesse. Dans Tristesse, justement, vous avez Triste. Alors, comment le poète l'a vécu? Avant de nous plonger au cœur de ça, qu'est-ce qu'il dit? La souffrance est ma sœur. Alors, il dit que ce que doit réellement ce qu'on appelle le poète ou bien l'artiste, c'est l'émotion. Parce que c'est dans
l'émotion, c'est dans la douleur qu'on parvient à mettre en valeur les meilleurs vers. C'est la raison pour laquelle Monsieur déclare « Les chants les plus désespérés sont les plus beaux, j'en connais un qui sont de pur sang. » C'est-à-dire, si le poète vit une déception, si le poète vit une douleur, il parvient à mettre en valeur ses meilleurs vers. C'est la raison pour laquelle quand il a écrit « Tristesse », qu'est-ce qu'il nous dit pour pleurer quand même la séparation avec George Sand ?« J'ai perdu ma force et ma vie. J'ai perdu mes amis et ma gaieté. J'ai perdu jusqu'à la fierté. Quand j'ai connu la vérité, j'ai cru que c'était une amie. Malheureusement, je suis obligé de m'arrêter là. Je sais que les internautes vont quand même se poser des questions. Ils doivent connaître, mais nous sommes coincés par le temps. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours. Inch'Allah, encore une fois, nous vous remercions de votre attention. Mais oui, bien, il faut quand même.